à tous et bienvenue pour un nouveau compte-rendu vide-grenier. Bon, salut à toi, comment tu vas? Bonjour à tous les internautes, ça va Gabi? Ça va, ça va. Alors, ayant fait un petit coup de bust la dernière fois chez quelqu'un... Ah oui, le dernier compte-rendu chez Kirby, ouais. Ah, c'était exceptionnel parce qu'il nous a invités, on est parti en brocante avec lui, on s'est trimballé. Bon, aujourd'hui j'ai fait des bonnes affaires. Alors, tu veux commencer? Tu veux que je commence? Allez, okay. Arrête de jouer à Mario Kart 7, allez, allez. Ouais, alors, bon, alors... Notre cher JT Gabi a trouvé tout un lot de jeux DS. Donc on a Mario Kart DS trouvé à 7€, c'est ça? Non, c'est un lot. Enfin un lot. Ça c'est le lot. 9€. Ouais, 9€ le lot. Donc Mario Kart DS, ça c'est bien parce que il coûte 20€ d'occasion de complet. WarioWare Touch. Complet. Hein. Les Sims 2 naufragés. Les Sims 2 à niveau compagnie. Les 6 pourris. Alors, avec ça. 7€ ça. 7€ le Zelda Spirit Tract. Tu l'avais déjà sous blister. Ouais, je l'ai sous blister parce que je l'avais plus. Alors, ça. Alors, hier, on était allé à Leclerc et on a acheté tous les deux le même jeu pour le même prix, plein pot. À 15. Moi, non. Oui, non mais si tu exclus ça, à 45€, Professeur Layton versus Ethernet Phoenix Wright. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Professeur Layton, bon bah je pense que vous connaissez, c'est lui. Ce fameux enquêteur. Et Phoenix Wright, bah c'est l'autre. Il fait partie d'une série d'un... J'arrive plus à parler. Non. Phoenix Wright, c'est dans un jeu d'avocat qui est très populaire au Japon, mais qui a complètement bidé en France. Professeur Layton, ça a mieux marché, mais bon, quand même, on n'est pas au niveau d'un Call of, quoi. Mais donc là, ils ont fait ce crossover. D'ailleurs, que je suis en train de jouer, je suis à 5 heures de jeu, et franchement, il est énorme. Hein. Je regrette pas de l'avoir acheté plein. Toi aussi, d'ailleurs. Mmh. Voilà. Très content. Et donc, un autre jeu 3DS... acheté sur le bon coin à 15€, alors que normalement il faut dépenser 20€ juste la cartouche seule, c'est Mario Kart 7. Complet avec... Le code d'utilisation... Ouais, tout ça. C'est-à-dire qu'à la base c'est 20€ la cartouche seule, c'est ça? La cartouche seule sans la boîte. Des bonnes affaires sur le bon quoi. Ouais, comme quoi on fait des bonnes affaires sur le bon coin. Voilà, j'ai fini, c'est à toi. Déjà? Oh attends, ouais. J'ai fini ma course. Ah bon, bah, je continue alors. Y a quoi d'autre? C'est fini, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? T'as montré le Mario Kart, bon, t'as montré tous les jeux DS, t'es content? Le petit monsieur est content. Donc, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'ai trouvé aussi, alors la dernière fois, je vous ai montré Siberia le 2 sur Xbox. Bon, là, j'ai trouvé l'intégrale sur PC, voilà, pour le prix de 2€, 2,50€, c'est à faire cash, voilà. Les deux étant complets, je sais même pas, si j'ai même pas installé les jeux, mais ils sont en bon état, général, donc... voilà ce que je peux dire. Je peux rien dire plus parce que je sais pas. Parce que je peux pas dire plus de choses comme ça. Donc après, alors je vais pas dire le nom, c'est le Sims in City sur PS2 9 sous blister. Sims in the City, c'est les Urbs. Oui, les Urbs, voilà. Ah bon, 9 sous blister. Bon, je te l'accorde, il est pas facile à dire. 9 sous blister, acheté 2€. Un bon prix, 26€ d'occasion. Bon, tu vas dire, c'est pas le jeu qui se vend super cher. Hein. Non, pas plus que ça. Ensuite, le Sardoum de Zelda 25e anniversaire. Oui, je l'ai déjà dans le Wii spécial. Skyward Sword. Oui, ah, c'est pas grave. Voilà, donc trouvé pour 50 centimes. Bon, ça me fait un deuxième CD, au cas où. Et j'ai trouvé un Elder Scroll Oblivion édition jeu de l'année. Il commence à être très rare et à côté. Donc, mais moi, tu l'avais déjà, c'est ça? Pas sur Xbox, je l'avais pas sur Xbox, j'avais sur PC. Sur Xbox, j'avais le simple, j'avais l'édition anniversaire et c'est tout. Voilà. Ouais, le gris, ouais. Par contre, l'édition anniversaire, il faut que j'essaie de le trouver pour en platine. Mais je sais pas s'il est hors platine. Voilà. Ça, trouvé pour le prix de 7€. Ouais, 7€. Parce que j'ai un petit temps de latence. Voilà. Pour 7€. Voilà. Et ensuite, j'ai trouvé deux guides pour le prix de 3€. Et c'est des gros livres, épais, hein, double épaisseur. C'est Diablo 3 et World of Craft. Voilà. Voilà.
Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Au revoir et à très bientôt à tous, hein. Bon bah, à plus tard les gens, hein. Salut.